Coucou tout le monde, c'est Arcangel et aujourd'hui on se retrouve sur War Thunder pour une vidéo un peu spéciale étant donné que je suis avec un lance-roquette, le BMP 824 que j'ai débloqué aujourd'hui pendant une heure. Donc là c'est 5 dernières minutes parce que j'ai pas pu tourner une vidéo avant, donc ce sera la seule et unique partie que vous aurez si elle est viable. Sinon ça sera la seule et unique partie que je ferai tout seul avec le BMP 824, donc un véhicule lance-roquette. Le russe, sur un châssis de T-60 sans la tourelle, il y a 24 roquettes, comme son nom l'indique. Battle rating 2.3. Puis voilà, on va essayer de faire une bonne game avec. Donc je connais pas du tout les spots pour tirer, c'est ma toute première partie, enfin c'est un peu bizarre. Et puis voilà, à part ça, que dire, j'ai pris le BMP 824 et le T-60, histoire d'avoir un autre véhicule de secours, histoire que le véhicule, enfin que le gameplay ne soit pas ultra pauvre. Si jamais je meurs au tout début, j'espère choper assez de points avec ce lance-roquette. Donc ASBR, il OS tout. Logiquement, il one-shot absolument tout. Je vois, ouais, il y a pas de souci. Il faut juste que je touche. Et ça, c'est la difficulté la plus dure. On peut voir que les roquettes, ben, il n'y a pas de dépression. C'est normal, c'était fait pour tirer sur de longues distances. Les roquettes... Alors, il y en a beaucoup, on a une grosse cadence de tir, donc si j'en vois un, je tire un tir de précision, deux tirs de précision, et s'il me repère, je bourrine. A savoir que si j'ai bien compris, et si je me trompe pas, je peux mourir si les mecs tirent dans mes roquettes, voilà. Donc là, on en a vu un, est-ce qu'il y en a un autre? Sinon, on va tenter essayer de se le faire, lui. Il faut que je fasse gaffe. Là-bas, il y en a un. Là, ce mardeur, il a tiré une fois, enfin on lui, il s'est pris un tir. Ok, pas de dépression, reculons, reculons, reculons. Je veux pas mourir. Ouais, lui il est mort, j'ai même pas eu d'assist. Il va falloir que je descende je pense. Faut que je les attaque en terrain plat sur terrain plat parce que sinon... Ma dépression ne me permet de faire que dalle. Voilà. On va tourner. Tout doucement. Donc oui, vidéo avec un seul gameplay. Logiquement, elle sera assez courte. Vous savez déjà la durée, moi pas encore. J'ai pas prévu de dire quoi que ce soit. Oh, le toit par contre, là. Si tu me repères pas. Eh bah je suis mort. Voilà. Eh bien c'était le gameplay seul du BMP 824. C'est tout ce que vous... Oh, il y a des sauvegardes, excusez-moi. Ouf. J'ai oublié qu'il nous l'offrait pendant une heure avec 5 backups. Ah, purée, c'est quand même une idée de génie. Autant filer le véhicule premium pendant une heure, on peut se dire c'est court, mais s'il file des backups avec... Oh punaise. Franchement c'est une bonne idée. Mais je pense qu'une idée pour améliorer ce système d'offrir un véhicule premium pendant une heure serait qu'on ait 24 heures pour l'activer, et une fois qu'on l'active on l'ait que une heure. Donc je sais pas si c'est faisable dans les fichiers du jeu tout ça, mais je pense que ça serait une bonne idée. Ça serait plus simple parce que là par exemple je pouvais pas, enfin quand j'ai vu que je l'avais débloqué, j'ai regardé l'heure, je me suis dit mince, je ne peux pas tourner de vidéo. Je me suis dit, mais il faut quand même que je tourne une vidéo, c'est quand même exceptionnel d'avoir un véhicule lance-roquette. C'est pas dit que j'en ai un avant un long moment. Sachant qu'on peut les avoir que dans les packs de combat gold. Donc ceux qu'on a tous les 12 ou 15 jours, je sais plus. Donc c'est pas quelque chose qu'on a souvent. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo dessus, vu que je ne compte pas l'acheter. Du coup, voilà. En plus des petites montées de ping qui font bien plaisir là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de nous prendre sur le côté? Si oui, on lui tombe dessus et on lui massacre la bouche avec nos roquettes. Personne, je ne vois rien. On va regarder là-bas. Parce que l'avantage, c'est que je peux faire du tir sur longue distance. Bah bon, si je vois rien, allez, on va se faire plaisir. J'en ai utilisé quelques-unes, histoire de...
Ça m'a peut-être fait me repérer, mais c'est pas grave. Il y a un véhicule. Ah, un Panzer. Ce serait pas celui qui m'a tué. Non, il est mort. Il est... Ah, là, il y en a un autre, apparemment. J'ai vu un tir passer, le M22 Locust qui s'est retourné. Allez, on s'incruste dans la bataille. Bonjour. Bon, c'est pas un one shot, c'est un two shot. Sauf que là, les roquettes, c'est un peu l'arrache, hein, quand je les tire. C'est... Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de question de précision là sur des distances comme ça. Donc il me reste plus que 4 roquettes. Et il y a l'air d'y avoir un adversaire là. Ça, c'est du OS. J'ai eu de la chance. Plus que 2 roquettes. Ah, et bah il y en a un autre. Ah, j'ai appuyé qu'une fois, mais je crois qu'il y en a deux qui sont partis en fait. Ok, j'ai que la chenille. Pour recharger, il faut que j'aie eu sur le point. De toute manière, c'est déjà la fin de la partie. On a rechargé le tir d'artillerie. On l'envoie sur l'adversaire qui se trouve là. Ah! Finalement, il captura. On le voit là-bas, c'est un Shtoug. Shtoug 3. Moi, je vais essayer de... De protéger notre M22 Locust. Ah bah c'est bon, ils ont pris la... enfin, ils ont pris le kill, donc j'ai une assist. Allez, maintenant, cap sur A. Il faut qu'on reprenne ce point pour gagner la partie. Je reçois des SMS, pas de soucis. Allez, on avance, on avance. Je vais juste servir de d'appât là en fait. Hey, salut! Il s'en fout. Oh, il s'en fout. Oh, il s'en fout. Ah, il est mort. En fait, il est mort. Juste avant de capturer, il doit être bien déçu. Ouais, pas pour moi la bombe. Purée, elle est proche. On a gagné! Et bah pour ma seule game en BMP 8-24, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Voilà, ça bug un peu, c'est rien. C'est vraiment le ping là qui était pas très bon. On a bien vu, j'ai tiré qu'une seule fois, mais ça a tiré deux fois à un moment. Donc on va faire la outro là, je crois que ma connexion a crash. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'essaierai de me procurer un véhicule lance-roquette, je verrai. C'est selon mes moyens. En tout cas, bah dès que j'ai un... Bah, dès que j'aurai un véhicule premium comme ça dans les packs de combat, ne vous en faites pas, je vous tournerai une vidéo dessus, même si pour ça je dois en baver. Et puis voilà. Donc le BMP 8-24, un véhicule plutôt sympathique. Est-ce qu'il y a des camouflages? Ah, il y a des camouflages. Le Winter. Oh, classe le Winter. Plutôt classe. Le Forest, j'aime pas trop sur un. Non, mais le Winter, par contre. Ah, il envoie. Ah, j'adore. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Le BMP 8-24, voilà. Un véhicule sympathique. Je trouve un peu cher. Il coûte 3000, je crois. Je m'étais dit quand il les avait annoncé que s'il coûtait aux alentours de 2000, je me le prendrais. Mais 3000, 3800 ou 2800, je sais plus, ça me paraît beaucoup trop cher. Enfin bref, à la prochaine! La pire outro au monde!